RFM. Le petit monde d'Anthony. Bonjour Anthony Ruiz. Salut les copains, bonjour à tous. Coucou Anto, on va parler d'une sorte de breaking news, comme disent les Américains, puisque Angelina Jolie is in Paris. Angelina Jolie est à Paris. Angelina Jolie est à Paris puisqu'elle tourne actuellement le film sur la vie de Maria Callas et certains fans ont pu l'apercevoir en plein tournage dans les rues de Paris, justement, grimée en Callas. Et visiblement, c'est pas fou. Ah, elle est derrière là. Avec le petit lien. Mais Angelina Jolie l'aide. Non mais attends. Non mais qui a osé dire ça? C'est comme les gens qui regardent Miss France et qui critiquent les candidates alors qu'ils ressemblent tous à des grippins. C'est vraiment formidable. On ne touche pas à Angelina Jolie. Je ne connais personne qui ressemble à un grippin, mais pourquoi pas, Moi j'en connais. Réfléchis bien Albert. Un autre commentaire, mais cette fois ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Pendant qu'Elisabeth Borne, qui aurait pu être Miss Monde, mais qui a choisi d'être première ministre, faisait un discours. Et alors l'Assemblée nationale, vraiment, c'est la cour d'école. Et les réponses aux défis auxquels nous faisons face. Quoi ? Arrête ton blabla. On est vraiment au PMU, c'est incroyable. Taisez-vous. Comment voulez-vous, les gars, que la France aille bien, franchement? C'est compliqué. Ça n'a pas de sens. Et pendant ce temps-là, Bruno Le Maire fait des imitations, lui. Alors qu'on préférait qu'il augmente le pouvoir d'achat, 6 euros les deux steaks hachés, franchement, c'est un petit peu exagéré. Mais non, lui, il préfère imiter Donald Trump. Enfin, imiter, on s'entend. Vous avez le président Trump qui est derrière son pupitre, qui fait son show, comme d'habitude, et qui dit « You know what? I call Emmanuel. » And I ask him to withdraw the digital taxation. C'est drôle. Ouais, c'est même hilarant. On ne s'arrête plus de rire. Ça peut durer des heures. Ouais. C'est très très sympa. Énorme moment de télé dans l'émission de Jordan Deluxe. Alors déjà Jordan lui-même que j'adore, mais le note pape, bon, pas ouf. Hein. Il faut, faut le changer un petit peu. Chacun ses goûts. Il recevait Philippe Corti, DJ qu'on a beaucoup vu, vous savez, dans les émissions de Thierry Ardisson. Alors il a une particularité, Philippe Corti, il scratch. Vous savez, c'est ce bruit qu'on fait sur un vinyle ou un disque pendant qu'il tourne. Ben je scratchais, c'est le début du scratch, HIP à choper, donc tout le monde scratche avec la main, moi j'ai scratché avec mon sexe une fois. Sympa. Faire attention à pas se la rayer quand même, hein, ça serait dommage. Et face à cette révélation, Jordan lui a fait cette demande. Évidemment, ce que voudrait savoir, c'est si c'est possible que vous le refassiez. Moi je suis extrêmement mal à l'aise de cette séquence. Mal à l'aise, à d'autres, hein, oui. Jordan, d'accord. Moi rien ne me choque de toute façon, parce qu'il faut savoir que Albert fait ça tous les matins en vous mettant les musiques du morning dans le meilleur des. Voilà, mais ce sont des séquences qui ne sont pas filmées.